Nous allons commencer par la création d'un porte-clés à l'aide de Onshape. Ici, je suis au menu d'accueil, j'ai cliqué sur Onshape. J'aurai ici, à cet endroit, la liste de tous les documents que je vais créer. Je vais créer un premier document en appuyant ici sur « Documents ». Et je vais appeler mon projet « Porte-clés ». On voit ici quelques instants qui sont nécessaires au chargement de la page web, parce qu'il s'agit d'une application en ligne. Alors, je vais vous présenter la fonction esquisse. En ce moment, nous sommes dans un environnement 3D. Donc, je vais vous faire la démonstration de ça tout de suite après l'esquisse. Alors, l'esquisse, il s'agit d'un plan en deux dimensions. Ici, je suis invité à sélectionner mon plan. Je vais choisir le plan de face. Idéalement, c'est de faire la rotation sur la vue de face afin de bien cerner ici qu'il s'agit d'un plan en deux dimensions. Sur ce plan ici, je vais dessiner un cercle dont le centre est le système d'axe, l'origine. Je vais cliquer. Je peux même aussi forcer une dimension, mon cercle, en utilisant ici l'outil dimension, donc qui fait partie de la palette 2D, et puis placer par exemple 80 mm. Enter. On voit le cercle, sa dimension maintenant est forcée à la valeur de la cote. Je termine mon esquisse en cliquant sur le crochet vert. Et je vais ici, en haut à droite, cliquer sur le coin du cube afin de revoir ici à nouveau la vue isométrique de départ. Et je vais créer une extrusion. Une extrusion, c'est ce que j'appellerais le troisième dimension, la création de matière. Je suis invité ici à choisir la face de mon esquisse. Donc, je vais sélectionner ici le cercle. J'ai plusieurs possibilités. Donc, ici, je vais choisir soit la direction, avant ou arrière. Donc, on voit ici aussi, c'est possible d'avoir une symétrie. Donc, je vais y aller ici pour l'extrusion. Ça peut être jusqu'à la face suivante. Donc, on peut dire comme ça ici, avec une profondeur de, disons, 5 mm, toujours dans l'esprit de créer un porte-clés. Par contre, 80 mm, soit 8 cm, c'est peut-être un peu grand pour le diamètre d'un porte-clés. Alors, je vais retourner ici au sketch. Je vais double-cliquer et revoir à nouveau mon travail, c'est-à-dire mon esquisse 2D. Je reclique sur Front ici, puis je vais aller modifier la cote de 80. Je vais par exemple 40, ça serait amplement suffisant. Donc je vais confirmer tout simplement avec Enter. Faire ici le crochet. On peut revoir ici le cube qui nous montre ici la forme 3 dimensions qui m'apparaît bonne. Donc pour que ce porte-clés soit complet, ça me prend évidemment un trou pour passer l'anneau. Donc, je vais me recréer une esquisse. Cette fois-ci, je vais la choisir sur le plan ici. Et encore une fois, je vais placer ma vue de face, dessiner cette fois-ci un plus petit cercle, afin que l'anneau du porte-clés, on voit ici d'ailleurs que, en m'approchant, je suis invité à conserver l'axe vertical. Je dirais qu'un espace de 5 mm serait suffisant. Donc, j'ai cliqué une fois, je vais indiquer 5, et puis j'aurai immédiatement, là, au moment de sa création, la bonne grandeur. Je termine mon esquisse en cliquant sur le crochet vert. Cette fois-ci, je vais réutiliser la fonction extrusion, toujours avec la vue isométrique, et je vais dire plutôt un enlèvement de matière. Et je vais aller sélectionner la région ici. Et on peut apercevoir ici le trou qui se crée à l'instant. Mon porte-clés est pour ainsi dire terminé. Je vais lui ajouter quelques petits détails. Donc par exemple, dans l'environnement ici 3D qu'on voit, il y a des congés.
Donc, je pourrais placer ici un congé de 2 mm sur ici la circonférence, comme ça ici. Ça va lui donner plus belle apparence. Et je peux aussi inscrire mes initiales en cliquant ici sur Sketch. Donc ici, je sélectionne mon plan et je vais débuter ici mon plan. Donc je vais débuter ici comme ça avec mes initiales. Je vais volontairement les dessiner à l'extérieur de la zone et je vais vous parler des contraintes. Donc je crée ici les initiales afin de personnaliser le porte-clés. Je vais ici choisir la contrainte de coïncidence. En passant, les contraintes, ce sont ici toutes ces fonctions qui sont à droite. Je vais choisir ici le trait avec le point d'origine. Ce que je constate maintenant, c'est qu'ils sont bien alignés. Je peux ensuite, je vais désélectionner là, cette contrainte. Je peux me déplacer ici et je suis en mesure de placer de façon exacte mes initiales. Donc en m'accrochant ici sur le coin, je considère que comme ça c'est bien. Donc je vais terminer mon esquisse. Je vais revenir à l'environnement 3D et placer mon cube en isométrie. Donc je vais faire une gravure. Je vais y aller avec l'extrusion de la zone ici qui est à l'intérieur, ainsi que celle-ci. Alors, le porte-clés fait 5, donc je vais graver avec une profondeur de 3 en soustraction, comme ça ici. Donc j'obtiens la gravure qui personnalise l'objet. Et mon travail est pour ainsi dire terminé. Il me reste à vérifier que ma pièce ici puisse être imprimée, donc être exportée en format STL. Pour exporter une pièce en format STL, je dois cliquer ici à droite sur le bouton ici, ensuite Exporte, placer le nom de la pièce, par exemple porte-clés. Je serai prudent. Sans espace, sans accent. Format STL. Unité, là je suis très attentif, millimètre. OK. Enregistrer. Bah tiens, je vais l'ouvrir avec le logiciel par défaut dans mon ordinateur. Donc ici, j'ai d'autres pièces qui ont été placées au préalable. Donc, j'aperçois ici le porte-clés. Il est prêt à être imprimé. Il me resterait évidemment à modifier quelques petits détails, dont la position Y. Plutôt la position X. Comme ceci. Et puis la pièce serait prête à imprimer.